fameux blanc de Cholet, la senteur du pré et la clarté de la lune en seraient le secret, continue, comme en 1830, à faire la gloire du tissu choletais. Mais le métier automatique moderne a entraîné la disparition des artisans villageois qui, pendant un siècle, achetaient aux filatures de la ville le fil et le tissaient à la main dans leur atelier en sous-sol. La fin de cet artisanat rural aurait pu provoquer un bouleversement de l'économie villageoise. Pourtant, ce petit village de Metz-sur-Èvre, par exemple, n'a pas cessé de prospérer. Si sa grande place est déserte à midi moins 5, c'est que 1200 ouvriers, la moitié de la population, travaillent ici même dans 6 petites usines. L'industrie de la chaussure a pris le relais du tissage, absorbant par cette heureuse reconversion l'abondante main-d'œuvre locale. Car cette ouvrière piqueuse habite une ferme. Et quand quelques-uns, dans une famille villageoise, gagnent en atelier une pièce de 1000 francs par jour, ça fait à la fin du mois un beau budget et chaque année 10 maisons de plus dans la commune sur laquelle on hisse le bouquet traditionnel et qu'on baptise, bien entendu, au muscadet de Maine-et-Loire. Au Metz-sur-Èvre, les méthodes de culture se sont également adaptées. Le forgeron fabrique aujourd'hui des machines agricoles. À l'heure de la sortie des usines et du retour du labour, il est difficile de reconnaître ici qui est ouvrier et qui est paysan. Et en rentrant à sa ferme, notre ouvrière en chaussures croise son voisin, resté fermier, mais quelque peu mécanicien. Et quand une économie est équilibrée et prospère, qu'il est facile à résoudre le problème des loisirs.